Mes amis, je vais, l'heure est grave, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelque temps, vous vous en rappelez tous, ça fait presque 3 millions de vues, j'ai publié une vidéo Day Off du RDM que j'avais tournée à l'hôtel après l'émission, après le tournage. Quand je l'ai postée, bien sûr, j'ai reçu un appel de la production et je me suis fait taper sur les doigts. On m'a menacé de faire supprimer ma vidéo, de porter plainte auprès de YouTube, etc. C'était un peu chaud, mais j'ai tenu bon et finalement, on a accepté de me la laisser. Et on m'a demandé de promettre que la prochaine fois, je demanderai la permission. Alors moi, je me suis dit, bon, bah vas-y, je le promets. Et j'imagine que c'est juste une histoire d'ego. Ils veulent que je demande la permission. Et la prochaine fois, ils me diront oui, parce que bah ça fait la promo de l'émission, en vrai. Alors j'ai promis. Et puis, bah je savais dans ma tête que j'en avais tourné une aussi, en off, dans le cross. Cette vidéo, je l'ai. Et donc, il y a quelques jours... Comme j'avais promis, et moi, bah voilà, je tiens mes promesses. Quand je fais une promesse à quelqu'un, je tiens mes promesses. J'ai appelé la production et j'ai demandé si je pouvais la poster. Et je sais pas si une histoire d'ego ou de quoi, mais bon, ça a été un non très rapide. Parce que voilà, parce que c'était tourné dans la maison, dans la villa, c'était impossible et c'était un non. J'avais pas le droit de poster cette vidéo. Me demandez pas pourquoi, je vois déjà les messages arriver. Oui, mais pourquoi ils veulent pas, pourquoi ils veulent pas, ça fait pourtant de la promo. Oui, et ils en ont bien besoin. Mais voilà, ils sont à l'ancienne, ils comprennent pas les choses. Et je pense que c'est la même raison pour laquelle on nous voit pas. Et on voit énormément toujours la même chose. Et là, on nous a pas vus à la télé. C'est pas grave. C'est pas grave, ils comprennent pas. Mais moi, je réfléchis. Du coup, si on me dit... Tu ne peux pas poster parce qu'on voit la villa.